俺を倒すなんて10年早えんだよ。行くぞ、ここから決める。Hey les amis, c'est Letko, j'espère que vous allez bien. C'est Letko. Aujourd'hui, nouveau portail Sudam avec le nouveau Naturalizer Rising Sun, Radunga, Léo, Pepe et Salinas. Ne faites pas attention à mes enfants derrière. Ils viennent se réveiller pour aller prendre leur petit déjeuner. Il est 8h. Voilà, le portail est ouvert. On va y aller. Il y a des cadeaux. Il y a des petits cadeaux. Allez. Ça bouline. D'accord. Hop. Attendez. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est venu ça. Je sais pas si vous l'avez vu. Bref. Alors. Tac. Volet piqué. Plus. Tir. Feuille morte. Planeur miraculeux. Tir confrontationnel. Pour notre ami Léo. Donc lui, quand il y a naturalisé dans la même équipe, 10%, très bien. Ok, le Salinas qui a fait tellement parler de lui, enfin, de toute façon, tous les comment dire, tous les joueurs ont... ça qui est génial sur Twitter, c'est que les gens parlent déjà de déception. Ah, le maillot blanc, les catégories, super. Voilà, les nouveaux récompenses, deuxième série. Attendez, deux petites secondes. D'accord, on va ouvrir. Allez manger. Va manger. Allez manger. Ok, allez manger. Ok, le maillot du gardien, première récompense. Le cinquième, genre le maillot blanc, qui est assez joli, je vous l'avoue. Un deuxième ticket SSR garanti du mois. Et surtout deux catégories, je vais pouvoir enfin les terminer. Je vais pouvoir terminer surtout le Naturezza Dream Fest avec. Ok, maillot de gardien, très bien, génial. Alors normalement on doit avoir des Dream Ball offerts. Je sais pas si ce sera sur plusieurs jours ou d'un coup, mais normalement je crois que c'est sur plusieurs jours. Parce qu'il part sur une semaine. Vraiment la campagne est sur une semaine des Dream Ball. Oh, un nouveau portail européen. Oh bah c'est mignon ça. Mais c'est mignon tout ça les amis, surtout pour mon petit Atsushi. Hein, mon petit Atsushi, dédicace à mon petit Atsushi, mon frérot, ma frère, avec un nouveau Pierre, un nouveau Margus, mais surtout, mais qui c'est ce petit joueur? On va voir ça tout de suite, ça m'intrigue. Qui est ce joueur? Je connais pas ce joueur. C'est qui ce joueur? Bah, mettez-moi en commentaire les amis. Là j'arrive pas à savoir qui c'est ce joueur. Bah, vu que c'est un Européen, je connais pas. Avec le maillot, un maillot comme ça, maillot Bordeaux. En tout cas le Pierre est beau gosse. Le Margus World Youth aussi. Enfin les deux World Youth. Mais lui c'est qui lui? J'arrive pas à reconnaître. Ok. Très bien. Bon, ben, mettez-moi en commentaire, les amis. Donc, le portail arrivera le 23. Donc, normalement, lundi. Lundi. Voilà, ça fait plaisir. Fermé. Hop. Le Matsuyama est complètement dingue. C'est vrai que je n'ai pas fait une vidéo sur les joueurs... de la deuxième série japonais, mais s'il y a bien un joueur qu'il faut avoir, c'est le Matsuyama, les frères. C'est le Matsuyama, il fait très très mal. On va fermer, on va voir les cadeaux. Alors, est-ce qu'on va voir les 100 Dream Ball d'un coup ou pas? Alors, on a les ballons, ok, tac. Ah, d'accord, récompense Dream Challenge, 8 Dream Ball, plus Dream Ball 1, en ligne. Et voilà, c'est ça. Donc, on a bien les 100 Dream Ball d'un coup. Ça fait plaisir, c'est Noël.
C'est Noël. On clique sur réceptionner. Est-ce qu'on aura 200 Dream Ball en tout? Oui, 200 Dream Ball, ça fait plaisir. Hop. Alors, ça c'est génial. Merci Club, hein. Merci. Pour l'instant, je sais pas. Bon, peut-être je vais faire le multi à 30 tout à l'heure. Hein. Voilà, on sait jamais. Hein. Allez, c'est parti. Radunga, il est là. Nouveau joueur brésilien, ça fait plaisir. Les autres, on les connaît un petit peu. Hop. Répertoire joueur. Ouais, donc pour la série 2, c'est incroyable. Hein. Le Matsuyama est complètement dinguissime. Hein. C'est du grand n'importe quoi. Mais vraiment, c'est nimp. Allez, on est là dans les Brésiliens. Le premier, on va prendre les Naturezza pour commencer. Par le plus beau, par le plus beau gosse. Hop là, voilà. Il est vert. Pas de potentiel. Attaquant milieu offensif vert. 1149 d'endurance. Très, 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 très bon. Attaque 21900. Dribble 6859. Pas mal. 8256 en tir. Très fort en tir. Pas mal du tout en tir. 6792 en passe. Parfait en passe. Défensivement léger, surtout en contre. Le reste c'est bon, voilà, c'est moyen, mais bon, ça reste quand même un attaquant milieu offensif qui n'a pas besoin de gros stats défensifs. 18553 en physique, très très bon. 6733 en puissance, parfait. Ballon haut et ballon bas, bon, voilà. Rising Sun. Hein. Bon, c'est vrai que j'avais dit sur Twitter que c'est des World Cup. Ah, c'est vrai, c'est des World Cup, quoi. C'est des World Cup 2019, mais en même temps, Rising Sun en même temps. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont les maillots. D'ailleurs, les maillots sont magnifiques. Alors, lui, il donne, il fait super cohésion vers Sudam. Et bien évidemment, 2% plus supplémentaire si les joueurs sont Rising Sun. Voilà, donc 15% plus 2% supplémentaire. Donc 2% pour lui. Ce qui est très fort. Donc si tu joues Sudam vert, bah voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et voilà, il a un passif. Plus il y a de Sudam vert qui joue, et plus il prend 15% pour ses stats. Donc lui, il rentre complètement dans une Sudam verte. Voilà, si tu comptes monter une Sudam verte, c'est une des grosses pièces du puzzle qu'il te faut. Volet piqué, touche délicate, 360 de coups et 475 de stam. Donc c'est pas une volée très puissante. On voit dans la cinématique qu'il lobe le gardien et elle arrive tout doucement dans les cages. Tir, feuille morte, planeur miraculeux. Je ne sais pas si c'est pas le tir du Dream Fest. Mettez-moi en commentaire si c'est bien le tir du Dream Fest. Le premier Dream Fest. Passe, feuille morte, voltante. Voilà, donc qu'est-ce que je lui mettrais en supplément, bah, une passe. Une passe et... à la rigueur, peut-être un tacle, une passe, ou peut-être un 1-2 avec le 1-2 avec le, comment il s'appelle, avec le Brésil, là, Brésil, new Brésil foot, voilà, c'est peut-être ce que je mettrais, voilà. Non, sympa, le Naturezza, très fort en tir, hein. Hop. Donc, je jouerais plus attaquant. Hein. Je le mettrais vraiment avec le, par exemple, dans une Sudam verte avec le Santana Dreamfest, par exemple. Le Léo, on va commencer en bas. Hop, voilà. Le Léo qui est complètement dingue. Le Léo Flamengo, très très fort. Lui aussi est vert. Voilà. Attaquant milieu offensif. 1011. D'endurance, Rising Sun également, 21289 en attaque, 6400 en dribble, 6400 en passe, et surtout 8400 en tir, très très fort en tir. Il fait beaucoup penser au Naturezza qu'on vient de voir, défensivement c'est pas mal, à part que le contre il est un peu plus fort que le Naturezza, mais bon, ça ne servira pas à grand chose, vu ses stats, et surtout vu son poste, enfin ses postes, pardon. 17648 en physique, donc ça va dans l'ensemble, c'est pas un truc de ouf à part la puissance, ce qui va avec son tir, mais pas mal. 8400, j'ai remarqué que beaucoup de joueurs commencent à avoir des stats de tir très très fortes en ce moment, c'est un peu la fête au village. Deuxième cohésion vers Sudam, attends, excusez-moi.
Voilà, pardon, excusez-moi. Alors, vers Sudam, donc exactement comme le Naturezza. Donc, si tu comptes monter une team vers Sudam, eh ben, il te faut le Naturezza et le Léo. Absolument. Et en plus, il a la combinaison, il a le passif 10% avec le Naturezza. Donc, il te faut absolument ces deux joueurs pour avoir une optimisation parfaite. Voilà. Tir confrontationnel, donc 440 d'intensité, c'est pas très fort. Ça servira surtout, par exemple, en fin de match, quand le gars d'en face est fatigué, quand il reste pas beaucoup de stam, tu vois, pour bien le fatiguer, tu vois. Parce que déjà, en plus, ça te coûte 405 de stam. Voilà. Silver duo du Brésil, je suppose que c'est avec Naturezza. On va être... Non, c'est avec Pepe. Et bon temps pour moi. C'est avec Pepe et un dribble sud-américain à grande vitesse. 230 pour 4, 315. Donc, ce que je lui mettrais, moi, et eh ben ça serait un dribble. Attendez, hop, voilà, c'est le rêve. Désolé, dribble. Ouais, bah une passe. S'il y a une passe du Léo, je crois qu'il y a une passe tueur, je crois. Peut-être une passe, ouais, une passe. Et pourquoi pas une interception aussi. Pourquoi pas, c'est ce que peut-être que je mettrais pour ce Léo qui est sympathique. Il est pas dingue. Mais sympathique en tir. Hop. En tout cas, avec tout ce qui est leader skill potentiel, enfin potentiel, tout ce qui est leader skill passif, ça peut monter assez haut. Il faut faire des petits tests. Le PP. Hop. On descend. Lui, par contre, il est rouge. Voilà. Attaquant milieu offensif. Donc comme les deux qu'on vient de voir. Hein. Par contre, lui, il n'a que 992, très léger, 20 635, 6 003 en dribble, 6 100 en passe, 8 168 en tir. Le même profil hein, que les deux qu'on vient de voir, le même profil en défense. Voilà, faible, physique, ça va, ça va. En interception, ça peut être... ouais, ça va, ça peut. Peut-être faire le taf en interception, mais bon, c'est pas un truc de ouf quoi. C'est pas avec lui que tu as intercepté, à part peut-être des passes blanches ou des joueurs qui sont pas assez montés en défense. Peut-être, peut-être, mais c'est pas un truc de ouf. C'est pas un truc de ouf. 6 679 en puissance, sympathique. Lui, il se donne cohésion rouge Sudam. Voilà, Sudam rouge 15 et 2% pour les Rising Sun. Et il prend 20% quand tu es en full power. Là, ça peut être intéressant. Donc voilà, tête plongeante pleine puissance, 455 en S99. Voilà, Silver Duo du Brésil avec Léo et tacle coulissant rapide. Ah, ils ont mis un tacle, d'accord. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, faudrait, le souci, c'est qu'il faut lui mettre la reprise balle basse. Donc, je sais pas s'il y a un Léo qui va donner un jour un. Enfin, je sais pas s'il y a le tir sauvage, mais bon, c'est pas un truc de ouf. Ouais. Après, il a un dribble, ok. Non, même pas. Il faut lui mettre un dribble. Donc voilà pour le PP. Un peu léger le PP. Très léger même. Le Salinas potentiel. Hop. Alors, il est où notre Salinas? Il est là. Donc maintenant, le Sainz, il monte à 1071, il prend 9924 en arrêt, 7680 en coup de poing, très 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 sympathique. Bon, lui, il donne à tous les, voilà, tous les Sudam bleus 17%. Très bien, franchement bien, j'aime bien le leader skill pour une Sudam bleue. Il réduit, il endurance utilisée. D'accord, donc lui prend moins 20% sur le coût de CTS. Ok, donc ça veut dire que l'arrêt au saut parfait va lui coûter beaucoup moins cher que ce qu'on voit dans les 200 et quelques. Plus un arrêt une main, tu peux peut-être laisser lui mettre un punch. On voit les potentiels, donc il est résistant à l'eau. Il désactive une TS pas pour soi-même. Ah d'accord, donc lui il est comme notre ami Pépé, donc quand t'es en full power, elle prend 3% supplémentaire. Par contre, les deux tueurs de tir flottant haut et flottant bas, un petit peu léger. Je m'explique. J'aurais vraiment voulu
sans trop chose, parce qu'il suffit que le mec rentre dans la surface, et comment dire, rentre dans la surface et bah, tire normalement, quoi. Même pas de reprise balle haut, balle basse. Donc c'est un petit peu, what the fuck, quoi. C'est, je trouve que le potentiel est un petit peu mal fait. Oui, oui. Je reviens. Oui. Oui mon cœur, j'arrive. Pourquoi ma... J'arrive. Va manger, va t'habiller. Donc je disais, voilà, donc tueur de tir flottant bas et flottant haut, c'est un petit peu léger. Ouais, donc je disais, il aurait fallu à la rigueur qu'un des potentiels soit exactement comme le Hernandez Dreamfest, qui est un tueur de tir hors. Un tueur de tir normal, balle basse, mais si tu fais un tir flottant haut ou bas, bah son passif ne s'active pas. Donc il aurait fallu ça. Là, face à Salinas, le souci de ce potentiel va que généralement au PVP, les mecs, ce qu'ils font, quand la balle est en balle haut ou balle basse, ils amortissent, ils s'avancent et ils vont goumer. Et là, le souci, c'est qu'il n'aura pas ces 30% supplémentaires via le potentiel. Donc, je trouve qu'ils ont très très mal pensé le potentiel de ce Salinas. Très mal pensé. Dommage, vraiment dommage. Allez, on va voir le nouveau Brasileiro. Notre ami Radunga qui doit être... Il est là, voilà. Le premier Radunga du jeu. Il est bleu, il est milieu défensif pur. Voilà, pas de milieu offensif. Il n'est pas double poste. J'aurais bien aimé double poste, moi, perso. J'aurais vraiment aimé double poste. Pourquoi pas? Alors, 1057 en endurance, 14956 en attaque. Donc, à part la passe et le tir, voilà. C'est pas terrible. Mais en défense, très très fort en attaque. 8470 en attaque, 6462 en contre. Et 5932 en interception. Donc j'aurais vraiment voulu que les deux spé qui sont l'interception et l'attaque soient les plus fortes. Bon, l'attaque c'est parfait. Mais l'interception, on aurait voulu enlever un petit peu du contre et rajouter dans l'interception. J'aurais bien voulu un 7009 ou un truc comme ça. Ou 7005 en interception. Et bon, c'est comme ça. 16940 en physique. 5008, 5009 et 5125. Donc 5008, c'est très bien pour le tackle en rapidité. Surtout quand tu vois le nouveau Matsuyama qui est complètement dingo, quoi. Il a un passif, s'il réussit son duel, c'est stade double pour le reste du match. S'il gagne le duel, c'est n'importe quoi. Ça veut dire que ce que tu vas faire avec le Matsuyama, c'est que tu vas le passer le ballon dès le début du match, tu vas arriver devant un attaquant qui n'a peut-être pas d'SP défensif. Si tu gagnes le duel, il booste. x2. C'est n'importe quoi. Bref. Lui, cohésion bleu sudam. Donc lui va absolument avec un pardon avec le Salinas bleu. Mais maintenant je crois que vu qu'il n'y a pas de gardien bleu fort sudam, et ben en fait la sudam bleue elle n'est pas encore prête, quoi. Parce que le Salinas World Cup 2018, ils ont un peu chié dans la colle dans les potentiels. Donc, enfin surtout dans le potentiel ballon haut et ballon bas. Bah, parce que les mecs, ils ne feront, bah, s'ils sont devant ce Salinas là, ils vont pas faire de reprise balle basse ou balle haute. Donc c'est un petit peu dommage. Bref, à part contre un Margus et encore le Margus Dreamfest, donc je sais pas. Bref, lui face au attaquant milieu offensif, 15%, ça c'est un passif que j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc vu qu'il va très souvent affronter des attaquants et des milieux offensifs, 15% supplémentaire. Tacle vaillant guerrier, 425 de coup de stab, 455 d'endurance, d'intensité. Interception couverture rapide, 355 et 440 en intensité. Donc il a un contre qui ne sert pas à grand chose. Il aurait fallu peut-être une passe pour relancer. Et... Même pas de dribble, quoi. Même pas un dribble, parce que bon, 4008, c'est pas terrible. Donc, ouais. En fait, ils lui ont mis les 3 SP défensifs. Voilà. Donc, peut-être un dribble ou. Peut-être un tir pour dégager le ballon.
Si, ouais, je sais pas. Ou en tout cas, voilà. En tout cas, lui, ce sera que des passes blanches pour l'instant, pour relancer. Donc, il va falloir être précis dans les passes blanches. Allez, on va aller vite fait. Hop. Attention à l'heure. Ok. C'est bientôt l'heure de déposer mes enfants à l'école. Alors, tac, 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 tac. On va aller dans. Attendez. Il y a un nouveau Genzo, je crois. Attendez. Juste, on regarde un truc. Il y a un Genzo à récupérer dans l'event à points. Il est où le Genzo? Il est là. On va voir tout de suite ce qu'il donne. Normalement, c'est le dernier. Ouais, c'est celui-là. Donc, il y a un bleu et il y a un vert. Donc, ça doit être le bleu, le, entre guillemets, le bon. 5 000. Ah, il donne le RSVK. Ok. Ok. D'accord. Bon, je lui laisse ça, c'est pas terrible. Bon, je vous laisserai regarder, hein. Ouais, donc lui donne la 80. Donc entre guillemets le vrai joueur à récupérer c'est le Genzo. Voilà. C'est le Genzo. Je pense que j'ai dû oublier un joueur aussi à vous montrer. Je vous laisse regarder ou faire votre opinion. Allez, on va faire peut-être là le palier numéro 1 Sudam. On va voir. Hop. En tout cas, j'ai pas beaucoup de chance en ce moment. J'ai fait le palier 2 Jap. J'ai rien eu. Info joueurs principaux. Hein? Ah oui, c'est vrai que ça, c'est une nouveauté, ça. Alors, attendez, on va cliquer. Oh, pas mal. Pas mal. Ok. Très bien. Sympathique. D'accord. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, moi, je suis comme un petit fou, moi. Ah, bah, j'ai dit. Ah, on a des tickets. Super. Et eh ben, attends, on va les craquer. On va les craquer. On va commencer par ça. Hop. On va les utiliser. 250 000, c'est rien du tout pour moi. Ok, pas de flammes, que des balançeurs, voilà, sympathique. J'ai pas de Frédérix, à part le gratuit World Cup. Voilà. Hop, et bon, on va faire la petite multi. Bon, mais c'est pas une multi parce qu'il manque un SR. Allez, allez, champion, comme dirait mon ami Mitch. Oula. Ok, que du full SR. Quand je vois que certains sur Twitter, les LR, ça tombe assez facilement. Bon, je pense que c'est bon. Hein. Attendez, bon, ça c'est le mixeur. Le Dreamfest. Le Dreamco, pardon, ce que je dis, le Dreamco. Je n'ai pas fait de vidéo dessus, mais bon. Je vous laisse regarder les amis de. Enfin, les vidéos de mes amis YouTubeurs. Surtout celle de mon ami Atsushi. Allez. En plus, on a 200 Dream Ball, ça fait plaisir. Allez. Allez, s'il te plaît. Ça serait génial d'avoir quelque chose. Ouf! La flèche bleue. Ouh. Ouais, mais y a... Oui, t'as tué, t'es là, mais bon. Attends. Non, je crois pas. Non, c'est mort. C'est mort. C'est mort, c'est mort. Il y avait la full Junior U, c'est mort. Pour l'instant, je m'arrête là. Voilà, je voulais vous faire plaisir. On va s'arrêter là pour la vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur les nouveaux Brésiliens vous a plu. Pour moi, le deux plus intéressants reste quand même Naturezza. Léo est sympathique. Voilà. Mais il te faut les deux maintenant. Il te faut le Léo, il te faut le Naturezza. Et le Radunga est très sympathique aussi. Ouais, il est bien. Il est bien, bien, bien. Sauf que le souci en bleu. Où tu le mets, quoi? Je me pose la question. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous faites avec le Radunga si vous arrivez à le dropper. Ça me plairait bien. Voilà. À part dans une Sudam Rimbo. Mais sinon, je vois pas où est-ce que tu pourrais le mettre. Parce que Sudam bleu, t'as pas de gardien. À part le nouveau Salinas, t'as pas de gardien. Je vous kiffe, portez-vous bien et à la prochaine. C'était Letko pour vous servir. Surtout, on se donne rendez-vous pour le Super Dream Fest dans une dizaine de jours. Ma fille m'appelle. Je vous kiffe. À bientôt. Ciao!